Paul Grimaud, à qui on doit notamment Le Roi et l'Oiseau, j'adore. Mais côté rôle féminin, c'est pas encore ça. Jean-François Lagoyoni, qui s'est formé auprès de lui, c'est un peu mieux, mais autant dans L'île de Blackmore que dans Le Château des Singes, j'étais frustrée de voir ces personnages féminins intéressants et charismatiques, comme Petit Moine, cantonnés à des rôles de second couteau pour mettre en valeur des personnages masculins souvent insupportables. Oui, c'est toi que je regarde, le kid, espèce d'émo. Mais le tableau, sorti en 2011, de ce côté-là et de tous les autres côtés d'ailleurs, il assure. Dans un tableau inachevé, les figures subissent une absurde hiérarchie entre les toupins, les pas finis et les roses. Mais il suffit finalement de peu pour sortir des cases, explorer les autres tableaux, l'atelier, et même rencontrer son créateur avant de réaliser que le monde va encore au-delà de lui. C'est là le trajet de Lola, une héroïne dynamique, attachante et surtout curieuse et avide de savoir. J'ai adoré la suivre, elle est pratique, habile, ouverte aux autres et ouverte sur le monde dans une histoire vraiment fine. Bref, courez voir le tableau si c'est pas déjà fait et à bientôt pour de nouvelles Girls de l'Avent.